Wow! Here we go. It's time to stop, okay? No more. Where the fuck are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective Services. It's time to stop. Do it! Just do it! Let's watch some crazy stuff, yo! Jeez, Rick, oh my god! Hey, wait a minute, Rick, I thought this was a commercial, what's going on? I mean, Morty, don't worry about it, let's just see where this goes. Oh my god, it's still the commercial! Odor blocker body wash is so powerful it can block BO for 16 hours. It's so powerful it can turn off the sun. But then it gets too cold, so it makes another sun. Double sun power! Power! Et bonsoir, Malubulule. Oh, shit. Here we go again. Bonsoir tout le monde, bonsoir, ici Foils, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée en ce vendredi 26 janvier 2024, il est 19h33, je suis à l'heure puisqu'on a lancé le live bien avant, c'est impeccable. Et bonsoir Malubulule, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une excellente journée? Est-ce que vous préparez pour passer un excellent week-end? Donc week-end, on sera pas là. On sera pas là ce week-end. Il n'y aura pas de live. Il n'y aura pas de live sauvage. Il n'y aura pas de live, comme vous avez pu le voir sur le planning. Parce qu'on ne sera pas là. Voilà, tout simplement, on ne sera pas là. Donc du coup, ça va être un bon petit week-end un petit peu au repos, un petit peu chillax, il va y en avoir besoin, c'est la gueule. Alors, les piments d'hier soir, parlons-en des piments d'hier, le bilan des piments pimentés, ça va, dans l'ensemble, ça va, je m'attendais à avoir mal au cul, et j'ai eu mal au cul ce matin, quand je suis allé aux chiottes,
Mais en vrai, ça va. Franchement, en vrai, ça va. Pas plus mal au cul, en fait. Pas plus mal au cul que ça. Ça va, en vrai, ça va. Ça s'est relativement bien passé. Je suis à midi, j'ai eu mal à l'estomac. Mais après, ça allait. Et puis voilà, quoi. Et non, tout va très bien. Défi relevé haut la main, j'ai envie de dire. Défi relevé haut la main. Ça a été quelque chose. N'hésitez pas à voir la rediff. YouTube, tu n'auras pas la rediff. Bah voilà, la rediff est dispo uniquement sur Twitch. Donc voilà, je t'invite à follow la chaîne pour justement ne rien rater. Cacamoulox. Bah ça n'a pas été un cacamoulox, hein. Ça aussi, assez surpris. Pas de cacamoulox. C'est assez surprenant, aussi soit-il. C'était surprenant, il n'y a pas eu de cacamou. C'était bizarre, c'était un caca normal. C'était un caca tout ce qu'il y a de plus normal. Donc bon. Voilà quoi. Bon, let's go, another code. C'est parti. Et bien sûr, on espère non pas remettre le couvert des piments jeudi prochain, mais on espère recevoir les insectes avec Gali, bien évidemment. Gali qui est présente dans le chat, on espère recevoir les insectes pour qu'on puisse faire la dégustation d'insectes jeudi. Et pas d'hémorroïdes, non. Utilisateur identifié. Acheter Mizuki Robbins. Date de naissance 25. Quoi, c'est le 25? Incroyable. 25 février. Déverrouillage. J'ai fait un message de déverrouillage. Oui, je veux passer ton 14e anniversaire. Mais il te manque une zone à épiler. Quoi? Oh. Terrible. Oh non, encore une zone épilée. Oh, l'épilation, mais c'est terrible. Alors. Donc là, qu'avons-nous là? C'est, on y rentrait dans la chambre. Photo sur la cheminée. Un portrait est accroché au mur. Who's this? Ah, attention, il se souvient. Encore des souvenirs. You mustn't enter my quarters at your whim. Something the matter? Tout va bien. Je me souviens de quelque chose. Cette chambre était celle de Wells. Wells. Le majordome. Un jour, il m'a trouvé ici et m'a dit : les majordomes veillent sur les objets importants des familles qu'ils servent. Et donc, c'est strictement défendu d'entrer dans ma chambre. Je me demande bien quels étaient ces objets. Quels étaient ces objets importants. Ouais. C'était les clés. Wells conservait toutes les clés du manoir. Ça pourrait nous aider à trouver Jessica. Mettons-nous à leur recherche. Eh oui. D'accord, non, c'est Wells. La penderie. Oh non, l'armoire est complètement vide. C'est terrible. Est-ce qu'il l'a caché dans le lit? Pas étonnant que le lit du majordome soit fait à la perfection. Pas un seul pli. Devine le menu de ce soir, ma lubulule. Pizza. De la pizza. Non, de la pizza. Ce livre devait être sa lecture du soir. Bah, on sait, c'est Playboy. Magazine Playboy, hein. Il doit bien y avoir quelque chose là-dedans. Oh, apparemment, non. Oui, de la pizza, let's go. J'espère que vous avez bien mangé. J'espère que vous avez bien mangé en pensant à moi, t'es trop fort. Ah ouais, mais tu vois, on me le dit pas assez souvent ça, que je suis trop fort. Je suis pas reconnu à ma juste valeur, c'est terrible.
Un service à thé est posé sur la table. Oh, c'est le service à thé. Oh, c'est le service à thé. Le service à thé pour boire le thé. Le testicouille. Ben oui. Je pense pas qu'à toi en mangeant. Je vais aux toilettes aussi. Tu ne penses pas qu'à moi en mangeant, et quand tu vas aux toilettes aussi, tu ne penses pas qu'à moi. Ah ouais. Oh, c'est le thé pour le testicouille. Le testicule. Ouah, c'est magnifique, sûrement des antiquités. J'ai toujours rêvé de prendre le thé dans un service de ce genre. Allez, des mini-tasses, des mini-pâtisseries, la totale, quoi. Oh. Je viens de me rappeler avoir bu du thé dans cette tasse. Lors de ma première visite au manoir, Wells avait préparé un thé au lait. Oh. Oh, et il avait servi avec du gâteau au chocolat. Huh. Ah. Quand je vais aux toilettes... Là, tu vois aucun effort. Du gâteau au chocolat, je commence à être jalouse et à avoir faim. Ah, c'est vrai. Gâteau au chocolat. Présente-toi, assiette. De la vaisselle en argent est disposée sur des étagères murales. Oh. Ouais, c'est adoré. Il est polissé tellement qu'on se voyait dedans. Mais entre-temps, ils sont drôlement ternis. Je pense pas qu'à toi qu'en mangeant. Ah, ça fait mal au cœur. Étrange. Quoi? Il y avait 4 assiettes la dernière fois. Oh, les crottes. Oh. Les assiettes doivent toujours rester ensemble, c'est important. Oh, putain. Très bien, c'est intéressant, Foil. Et merci, Remix. Point niveau 1 depuis 9 mois. Foil, l'homme qui met du piment dans votre vie. Et merci pour ton resub, Remix. 9 mois, oh, c'est bientôt le bébé, hein. Ouais, elle se disait souvent ça, je m'en souviens. 4 assiettes importantes. Mais oui, mais Bougredan, Bougredanès, là, il y a une assiette, là. Je la prends, l'assiette, là. D. Regarde cette assiette, D. Yeah. Excellent, c'est une des assiettes en argent de Wells. Ah oui, mais prends-la. Ah, prends-la, on va simuler ton Remix. Ah oui, Kadok. Ah, oh, Kadok. Ah, oh, tu me plais, Kadok. Ah oh, oui. Ah, oh, Kadok. Ah, oh. Oh, tu me fais trop du bien, Kadok. Ah, oh, je la sens tellement, Kadok. Ah oui. Ah oui. Allez, putain, mais c'est toujours une masterclass, tes clips, bordel. Il a l'air sympa, ce nouveau Pokémon. Dis donc, t'as vu ça un peu? On capture des assiettes. Je devrais aller la poser sur le présentoir. Putain, mais tes clips, c'est toujours une masterclass, quoi. Au buffet. Les tiroirs sont complètement vides, même pas une poussière qui traîne. Alors, il faut 4 assiettes. Oh ouais. Si c'est tellement important de les réunir, il nous faut les retrouver et les remettre à leur place. Je crois que Wells s'apprécierait. Alors là, déjà, il faut qu'on prenne l'assiette. Ah. J'ai mis assiette. Comment sur l'étagère, mais... Ah, mais... Il doit en manquer. Où sont les deux autres assiettes? Ah, bah, elles sont pas dans mon cul, ça, c'est sûr. Le coffre. Un coffre robuste. Un coffre aussi robuste doit contenir quelque chose d'important. Tu crois que tu peux l'ouvrir? Je peux essayer. Ah, c'est solidement verrouillé. Bon, y a plus qu'à espérer qu'on trouve un indice dans le coin. Bah oui, peut-être. Je sais pas, moi. Admettons que ce soit déclenché par un mécanisme avec les assiettes, avec les fameuses assiettes. Toute cette vaisselle est en verre ou en porcelaine, rien en argent ici. Mais là, il y a un truc là. Là, il y a un truc. Allô, il y a un truc, là. Elle sort ton Pokédex, là. Appareil photo. Voilà, il y a un QR code. Tu nous as manqué hier soir. C'est vrai, ça. Tu nous as manqué hier soir. Laurence Edouard, le patriarche. Scanné. Oh, let's go. Tu nous as manqué, on a fait une bonne dégustation de piment, là, je me suis bien arraché le cul. Ah. Wells devait beaucoup aimer les livres, il y en a plein ici et sur son bureau. Un vieux seau rouillé est posé dans un coin de la pièce. Je pense que là, on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour là, de la pièce. Ou alors, tu étais là, Remix, mais tu étais en lurk.
Ce qui est possible. Il y a un verrou sur la porte. Est-ce que ça mène à la pièce du piano? Oh, je peux le déverrouiller. La porte s'est déverrouillée. Salon de réception. Ah, j'ai le bide qui me gratte. Et le bide et pas le cul. Les hommes sont là de se m'occuper de mon papa et ma maman Gali. Oh, putain. Ah merde. Ah putain, désolé. Merde. J'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. Ah bah là du coup là il y a une assiette. Il est bizarre ce cendrier. Comment ça? Vide-le pour voir. Ouais, d'accord. Faut retirer les mégots et les cendres, laisse place à un magnifique oiseau en relief. Ouah, c'est quoi? Je m'en doutais, le cendrier vient de la chambre du majordome. Et voilà, c'était une assiette à l'oiseau en vol. On se mimique, c'est un mantel quand tu es là. N'hésite pas Mimix. N'hésite pas Remix. On est là si tu as besoin. On est là pour te foutre des piments au cul si tu as besoin aussi. On a des pots, hein. on a des pots chargés de piments si jamais... Si jamais tu veux péter le feu, y'a pas de problème. Mais n'hésite pas en tout cas si tu as besoin. Un pilier. On dirait que ces piliers sont en vrai marbre. Ah ouais, genre elle va mettre le pilier dans son inventaire. Mais c'est surtout le temps qui en manque. Putain, ça c'est... C'est compréhensible. Rien à faire, ça ne s'ouvre pas. C'est terrible. Alors, il faut qu'on récupère les assiettes. Là, déjà, on en a eu deux. On en a déjà eu deux, là, d'assiettes. On prend mon pétou d'amour. Eh oui, mais je ne peux pas ouvrir parce que je n'ai pas la clé. Je n'ai pas la clef. Chambre de Franny. Je ne peux pas ouvrir parce que je n'ai pas la clef. Je ne peux pas ouvrir parce que je n'ai pas la clef. Et je ne peux pas ouvrir parce que je n'ai pas la clef. Ok. Ça nous avance, hein. On est bien avancé. On a l'atelier d'art, peut-être qu'il y aurait une assiette qui traînerait. Ah, bingo! Assiette et chocolat. Du chocolat dans une assiette en argent. Dee, t'as vu cette assiette? Ah, c'est une pièce du service auquel Wells tenait tant. Je ferais mieux de remettre ça à sa place. Il y a quelque chose. Haha. Une photo sur l'assiette en argent. Mais c'est moi! Hurry, Ashley, hide. Cache-toi, Ashley, vite. C'est ma maman. Right. Oui. I remember who. Je me souviens de qui a dit ça. It was mom. C'était maman. The woman in the photo. La femme sur la photo. Is your mother? C'est ta mère. That must mean. Mais alors le bébé, c'est. Yeah. Oui, c'est moi. This must be Dad's. Cette photo doit être à papa. Cela explique beaucoup de choses. Allez, c'est parti. Chambre du majordome. Donc là, du coup, on va pouvoir
mettre les assiettes, toutes les assiettes, et déclencher le mécanisme, parce que bizarrement, il y a des choses bizarres sur le mur du présentoir à assiettes. On dirait comme un levier. Incroyable. Mais oui, ouais, elle s'apprécierait. Mais en fait, il doit y avoir un ordre. On a trouvé les quatre, mais rien ne se passe. Et si la façon de les disposer était tout aussi importante que le fait de les réunir? Tu te rappelles comment elles étaient disposées à l'époque? Sorry. Non, désolé. Peut-être dans le vieil album. Peut-être là, ouais, il faudrait... La cour, gna gna gna. Blablabla. Blablabla. Des livres, non. Le tiroir. Le tiroir est vide. Après, on peut le faire au pif, hein. Au niveau de la probabilité, ça va. 4 assiettes. Mais on va pas le faire au pif. Il faut qu'on réfléchisse. Hey. Ça, on va peut-être mettre la... Donc ça, on peut les récupérer. Non. Pour moi, je verrai la grosse assiette ici. Wow. Voilà. Pour moi, là, il devrait y avoir une petite comme ça. Non, c'est pas celle-là. Oh, mais je suis con, je le fais exprès. Voilà. Pour moi, je voulais croiser les oiseaux. Je voulais faire les deux comme ça et deux comme ça. Mais au final, c'est pas ça. What? Quoi? C'était une espèce d'énigme en fait. Exactement. Regarde, il y a quelque chose à l'intérieur. Un coffre-fort secret. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Un document roulé. C'est quoi? Un plan du manoir? Hein? Quelque chose est écrit à l'emplacement, sur l'emplacement de cette pièce. C'est vide. On me dit... Regardez sur elle. Ah, je devrais noter. Tout ce qui me semble intéressant. On a le basement aussi. R11, L2, R7, L25. Oh putain! Hey.
C'est bien verrouillé. Ah oui, il a noté quelque part. Oui, oui, il y a un indice, Yann. Bah oui, il y a un indice. Il y a un indice, il y a un indice. J'aimerais le prendre en photo. Donc, 11, 2, 7, 25. C'est la strength en ce moment. Attendez, on va prendre la photo parce que j'ai une mémoire de merde. Voilà. Comme le jeu ne veut pas que je prenne la photo. Ashley. Donc, on a dit 11. Vers la droite. Deux. À la gauche. Sept vers la droite. Et 25 vers la gauche. Haha, let's go! Putain, oh le génie. Got it. The safe is unlocked. Et voilà, le travail, le coffre est ouvert. Well done, Ashley. Bien joué, Ashley. Ok, let's see okay what voyons we un peu here. Ce qu'il y a dedans. This is... C'est... Yes, a key. Oui, une clé, deux clés même. On va pouvoir entrer dans les pièces fermées. La clé de la fleur et la clé du trèfle à trois feuilles. C'est quoi ce livre? Wells must have written it. Ça doit être Wells qui l'a écrit. Nous avons fait retrouver Monsieur Léonard, mais il était trop tard, l'épidémie l'avait emporté. Il a été décidé que Monsieur Edouard s'occuperait des deux enfants qu'il laisse orphelins. Monsieur Edouard a fait préparer deux chambres pour les petits qu'il a baptisé la chambre de l'oiseau d'or et la chambre de l'oiseau d'argent. Voilà, et belle lurette, maintenant que les garçons sont plus grands que moi, les voilà devenus de jeunes hommes robustes. Monsieur Thomas et Monsieur Henry ont intégré la même université. Monsieur Henry est plein de force et de sagesse, Monsieur Thomas la douceur et la sincérité personnifiées. Il ne fait aucun doute qu'il remplisse Monsieur Edouard de fierté. Il n'a plus à se soucier de sa succession désormais. Monsieur Henry et Monsieur Thomas se marient tous les deux. Ah bon. L'horreur a frappé la famille. Monsieur Henry et Monsieur Thomas sont tous deux partis pour le front. La guerre s'intensifie et les deux jeunes hommes ont été appelés en première ligne. Les mots me manquent pour exprimer la détresse qui doit être celle de Monsieur Edward. Je ne peux que prier pour qu'il revienne sain et sauf. Le jour tant attendu a fini par arriver. Les deux garçons sont revenus. C'est un bonheur incomparable que de les revoir en vie. Ils souffrent toutefois de graves blessures qui meurtrissent à la fois leur corps et leur âme. Monsieur Henry se cloître dans l'atelier d'art, contemplant inlassablement ses toiles peintes autrefois. La moindre activité du quotidien est devenue une épreuve, même le simple fait de déjeuner. Monsieur Edward a compris qu'il avait besoin d'aide. C'est pourquoi il a organisé le séjour de Monsieur Henry sur l'île auprès de sa famille. Après être resté avec nous plusieurs jours, Monsieur Thomas est rentré chez lui sur le continent. Il affiche toujours sa bonne humeur coutumière, mais on sent que de lourds nuages assombrissent son esprit. Il m'est impossible de comprendre ce qu'ils ressentent, mais je prie pour qu'ils puissent bientôt retrouver quelque sérénité. Monsieur Edward a rédigé son testament. Monsieur Edward est tombé malade. Monsieur Edward est mort. Monsieur Edward est mort des hémorroïdes. Monsieur Edward a mangé trop de piment. Le lendemain, Monsieur Edward est mort. Ah. Qu'ai-je fait? Pourquoi ai-je écrit cette lettre? Pourquoi les ai-je fait venir sur l'île? Mais mon repentir est futile, car rien ne changera le cours du temps. Tout est ma faute, je suis l'unique responsable. Un jour peut-être, un descendant des Edouard reviendra. Je laisse à son intention des plans dans mon tiroir, j'espère qu'il les trouvera et qu'ils seront utiles. Je prie pour que les âmes de Monsieur Edward et des autres reposent en paix pour l'éternité. Ce Monsieur Edward devait être ton arrière-grand-père, Dave. Right. Et sans doute. Quant à Henry et Thomas, vu qu'ils étaient frères et qu'ils étaient les petits-enfants de Lawrence... D, ça va? Oh, incroyable, la mémoire! Oh, la mémoire!
Henry, enough already. Henry, ça suffit. What are you trying to say, Thomas? Où est-ce que tu veux en venir, Thomas? Je me rappelle de quelque chose. À l'époque, l'oncle Henry appelait mon père Thomas. Thomas. Le nom de ton père, c'est Thomas. C'est génial, tu te souviens de ton père? Henry est le père de Franny et Thomas le père de Dee. Et Henry et Thomas sont frères et sont morts sur cette île la même année. Je me demande ce qu'il s'est passé. Dee est dans tous ses états. Il doit sans doute se poser la même question. Ah oui, mais après il est mort. L'Urk Lubulus, ça marche. Des bisous. Bon appétit. Enfin bon, l'Urk. Ma Lubulule. Utilisons la clé qu'on a trouvée dans le coffre pour entrer dans la chambre de Franny. Yeah. Bien dit, sa chambre au premier étage, c'est ça? Ouais! Allons dans la chambre de Franny, ouais! C'est parti! On a deux clés. On a la clé de la chambre de Franny. Et on a la clé... La clé du trèfle à trois feuilles. Et la clé de la chambre de Franny. Clé de la fleur. Yes, it opened. Ouais, c'est ouvert. On peut entrer dans la chambre de Franny. Ça rappellera peut-être d'autres souvenirs. Oui. Incroyable. Allez. C'est pas la chambre. Hein, Dee? This is it, Ashley. C'est là, Ashley. This is Franny. Chambre de Franny. C'est là qu'on joue ensemble. Cool. Chambre de Franny. Donc là, du coup, maintenant, clac, 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 clac. Alors, c'est ça. Une chambre de petite fille riche. C'est une chambre de bourge. Boîte de jeu. La boîte est remplie de blocs de construction. Il y a toutes sortes de formes là-dedans, c'est à Franny. Il y a quelque chose sous les blocs. Bah ouais, il y a quelque chose là. Une poupée en bois. Une poupée installée dans une boîte de jeu de construction. Elle est bizarre, cette poupée. Il me manque le bras droit. Ah oui? Ouais, il a dû casser. Oh là là! Dee, regarde cette poupée! Oh, je me souviens de quelque chose. Quoi? C'est Franny qui a fabriqué cette poupée. Wow, elle a fait ça elle-même, dingue. Le bras manquant ne doit pas être loin. Je pense pas que la poupée soit cassée. L'absence de bras droit est délibérée à mon avis. C'est une poupée du père de Franny. Et alors? Et alors, le père de Franny avait perdu son bras droit. Sérieux? C'est un peu glauque. Qui contenait une poupée, d'accord. Donc on n'a plus rien dans la boîte. L'armoire. L'armoire est vide, il n'y a plus aucun vêtement de Franny. Ça c'est le classique. On va voir sur la table basse. J'avais une table basse comme celle-ci quand j'étais petite. C'était génial pour dessiner ou jouer à la dinette. Un livre pour enfants est posé sur cette petite table. Ah non, elle veut pas lire le livre. Ah, l'ours. Oh, cet ours en peluche est trop mignon! C'était le préféré de Franny. Cet ours en peluche à l'ancienne. Ils sont vraiment cool, je les adore.
Oh. Oh là là. D'un coup, je me souviens de cette soirée. C'est dont je rêve tout le temps. Ce soir-là, sur la table, il y avait un gâteau, des bougies, un ours en peluche avec un ruban rouge. Tiens, Ashley, de la part de ton papa. Oui, c'est exactement ce qu'a dit maman. Mais papa n'était pas là. Où était-il ce soir-là? Ashley? Qu'est-ce qui se passe? Dee, je me suis souvenu de quelque chose moi aussi. Quand j'ai vu cet ourson, ma mère... Ta mère? Ouais. J'ai pas ce qu'on peut se souvenir d'elle. Mais il y a ce rêve qui revient souvent. Il a toujours l'air de s'arrêter en plein milieu, comme s'il y avait une suite. Oh, ça me rappelle un truc qu'a dit Jessica. Elle m'a dit que si je rencontrais mon père, j'en apprendrais plus sur ma mère. C'est pour ça que tu es venu ici. Je... peut-être. Un adorable ours en peluche. Oui, mais prends-le, l'ours en peluche, là. Peut-être qu'il y a un truc à l'intérieur. Je sais pas, j'aurais fouillé. J'aurais dépecé l'ours. J'aurais regardé s'il y avait un truc à l'intérieur. C'était son sofa préféré. Il y a des blocs et des livres dessus. Là, c'est son bureau. Le bureau d'enfant. Bon, on va essayer de l'ouvrir. Un petit bureau vert. Est-ce que Franny faisait ses devoirs? Est-ce qu'elle faisait ses devoirs, au moins? Une commode. Oh, les poignées sont adorables. Et qu'est-ce qu'il y a dans les tiroirs? Rien du tout. Table de nuit, là. Un lit d'enfant. Il semble très ancien. Avec le temps, la couleur de la couverture est délavée. Une petite fille dormait ici il y a bien longtemps. Dee, à quoi elle ressemblait, Franny? Eh bien, elle était gentille, mais elle avait aussi un côté impertinent. Elle riait pour un rien, mais elle avait aussi la larme facile. Et elle était extrêmement seule. Oh. Ok, sympa. Il y a des tabourets par terre. Bibliothèque. Là, je me demande s'il y a quelque chose derrière. Il n'y a rien derrière le livre. Je me demande s'il y a quelque chose derrière. Il n'y a rien derrière le livre. Je me demande s'il y a quelque chose derrière le livre. Il y a une cocotte. Je me demande s'il y a quelque chose derrière le livre. Il n'y a rien derrière le livre. Compartiment supérieur. Des poupées décorent l'étagère. Hey, Dee. Hey, Dee, jette un coup d'œil à cette poupée. It's Franny's. Celle de Franny. She made it to look Elle like a fabriqué herself. Cette poupée à son image. So this one is supposed to be Franny. Alors, celle-ci représente Franny. Yes. Oui. What's wrong? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose te préoccupe? I remember Je me souviens de ce que Franny disait. Dee, ces poupées doivent être gentilles les unes avec les autres. Si elles se réconcilient, alors... Eh bien alors quoi? Désolé, j'ai oublié la suite. Les poupées doivent se réconcilier. Qu'est-ce que ça veut dire? Une énigme. C'est une énigme. Peut-être qu'il faut placer... Peut-être qu'il faudrait placer... La poupée sans bras droit. Mettons la poupée là. Mais il nous manque une poupée. Il nous manque une poupée. La dernière poupée n'est pas là. Elle est peut-être dans une autre pièce. Exactement, elle doit être dans une autre pièce. Mais d'abord, voilà, sors ton truc là. Je scanne le QR code là. La peluche de la mélancolie scannée. Voilà le lore. Comme ça, on a du lore. Voilà, on a visité à peu près la chambre de Franny. On sait qu'il y a un coffre. Il faut qu'on récupère
Une poupée. Une poupée qui manque. Une poupée en bois. Là, on va ouvrir du coup. La chambre du trèfle à trois feuilles. Ouais, c'est ouvert. Alors, ouvrons. Pouet. Does this spark any memories? Ça te rappelle quelque chose? This is... C'est... Yes, Ashley. Oui, Ashley. I remember something. Je me souviens de quelque chose. This room belonged to Franny's. C'est la chambre des parents de Franny. Voilà, c'est la chambre des parents de Franny. Bouteille et verre. Tous les verres et les bouteilles sont couverts de poussière. Je me demande si les boissons sont encore buvables. Bonne question, ça. Ça serait bien dégueulasse. Le cheminée. Le tisonnier de la cheminée traîne par terre. Hein. Qui a oublié de le ranger? Il n'y a rien par terre à part le vieux tisonnier. Ouah, on peut vraiment s'asseoir dans un grand fauteuil devant la cheminée comme dans les films. Ça, c'est génial, ça. Je pense qu'il n'y a pas meilleure sensation que de s'asseoir comme ça, là, sur un grand fauteuil, là, devant une cheminée. C'est must have. Le sofa, je me demande s'ils s'asseyaient tous ensemble ici pour regarder la télé. Une lettre. Il y a une lettre ouverte à côté du livre sur la table. La lettre est froissée. Son contenu a dû contrarier la personne qui l'a lue. Je n'aurais pas voulu être à la place de cette lettre. Voyons ce que ça dit. Vous êtes parti, vous avez mis beaucoup de gens en rogne. Les ouvriers ne comprennent pas, et moi non plus. Nous avons sué sang et eau pour la mine Lawrence, jour et nuit. Et pour quelle récompense? Un licenciement massif. Tout le monde se fait éjecter de l'île. L'ancien directeur aurait au moins essayé de trouver une solution avec nous, comme il le faisait toujours. Mais là, un blanc bec débarque et fiche tout le monde à la porte en brandissant une simple feuille de papier. Nous demandons une réunion avec le nouveau directeur. Nous méritons au moins une explication. Robert Martin, délégué du personnel. C'est une lettre des gens qui travaillent à la mine. C'est qui ce nouveau directeur? J'en ai aucune idée. Ça devait être certainement le père de Franny, le nouveau directeur, vu que c'est dans sa chambre. Cette télé est super vieille, j'en ai jamais vu une comme ça. C'est si elle en a vu, parce que c'est si elle a aidé à la création de cette télé. Parce que c'est l'anniversaire de Cécile aujourd'hui! Je sais pas si elle est là, mais on lui souhaite quand même un bon anniversaire. C'est normal. C'est normal de lui souhaiter un bon anniversaire. Ah, là, il y a du lore encore. Une cocotte, réflexion d'un père sur son père. Scanner. La coiffeuse. Une coiffeuse surmontée de trois miroirs. Je peux pas les regarder. Ah ah! Une poupée de femme! Il y a une poupée dans le tiroir. Regardez, cette poupée doit être... Oui, c'est Franny qui l'a fabriquée. Elle représente sûrement sa mère. Une poupée de femme. Et une lettre. Une lettre? Cher Henry. Et bonsoir Hero-Mazer, comment ça va? Ceci est ma lettre d'adieu. Après avoir perdu ton grand-père adoré ainsi que d'autres êtres chers à ton cœur en si peu de temps, il ne fait aucun doute que tu es consumé par le chagrin. Je croyais que Franny et moi nous parviendrons à guérir ton cœur affligé, mais depuis que tu t'es retiré dans la chambre de l'oiseau d'argent, tu n'es plus le même. Je t'ai vu jeter la clé de la pousse dans la fontaine. Jour et nuit, tu te cloîtres dans ta chambre, à te perdre dans l'alcool avec pour seule compagnie tes terreurs invisibles. Tu sembles avoir perdu l'envie de vivre. Tu n'as pas tenu de pinceau depuis si longtemps que même Franny s'en inquiète. Et tu t'obstines à refuser de sortir de cette chambre. L'homme que j'aimais a disparu. Franny et moi n'avons plus d'autre choix que de quitter l'île. Je n'oublierai jamais l'amour profond que j'ai éprouvé pour toi. Adieu, Marie. Oh, c'est terrible. Who
Bien et toi, écoute, ça va, fatigué, mais ça va. Ça va, on continue tranquille Another Code, qui est génial, c'est un banger. Déjà, c'était un banger sur la DS, et là, ça fait super plaisir de le retrouver. Et c'est qui, Marie? Franny's mama. La mère de Franny. Oh, Marie, si tu savais. Oh. Why do you look so sad? C'est quoi le jeu? Alors, c'est Another Code. Another Code Recollection. Donc là, c'est le début. Enfin, le début. C'est Another Code To Memory. C'était un jeu qui était sorti sur DS à l'époque. Au début de la DS. Au début de la DS, c'est un jeu d'énigme. Un jeu d'énigme un petit peu bizarre. Qui exploitait toutes les mécaniques que nous proposait la Nintendo DS. C'était un banger absolu. C'était un banger absolu. Et ça fait très plaisir qu'il ressorte du coup en remastered. Enfin, ouais, en remastered sur Switch. Et ensuite, après, ils ont sorti Another Code, la suite. Another Code, je sais plus quoi. Lui, je crois qu'il était sorti sur la Wii. Genre Dr. Layton-like. Ouais, Dr. Layton-like, mais moins compliqué, moins casse-couille. Moins casse-couille que Layton. Hein. Clairement, moins casse-couille. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins casse-couille que Layton. Pourquoi tu fais cette tête? Bah, c'est une lettre d'adieu. Je sais pas ce qui s'est passé entre sa mère et son père, mais... Je suis sûr que Franny aurait voulu qu'ils restent tous ensemble. C'est pour ça que je suis triste. Ashley. Ah ouais, bah ouais, bah voilà. Ashley, je peux pas tout faire, hein. C'est vide. S'ils ont tant emporté avec eux quand ils ont quitté l'île. Un chandelier. On voit même plus très bien le joli motif fleur. Il est énorme ce lit. Il y a largement la place pour deux adultes. Ah, c'est une tuerie, Layton. Sa difficulté qui fait le talent. Bah, c'est... Bon, après, je dis pas le contraire. J'aime beaucoup Layton, attention. J'aime beaucoup Layton. Je critique, mais j'aime beaucoup Layton. Mais c'est la difficulté qui fait tout le sel. Là, c'est pas si difficile que ça, en fait. C'est des énigmes, c'est des petites énigmes. Tu vois, c'est des petites énigmes. C'est surtout de l'observation, en fait. C'est beaucoup d'observation. Et tu te tritures un petit peu les méninges, quoi. Mais c'est beaucoup d'observation et tu vas beaucoup chercher. Tu vas beaucoup fouiller dans le jeu original sur DS. Tu fouillais beaucoup. Tu fouillais énormément. Et là, c'est le même principe, en fait. Le lit est parfaitement fait, mais il n'a clairement pas été utilisé depuis longtemps. Une cruche. Avec une grande cruche comme ça, pas besoin de la remplir aussi souvent. Il parle de la sève. Quelqu'un avait commencé ce livre. Je me demande depuis combien de temps elle traîne là. On dirait que cet endroit est resté figé dans le temps. D'accord. Bibliothèque, il y a beaucoup de livres ici, mais ils ont tous l'air compliqués et ennuyeux. Ah bah super. Ok. Layton, c'est Layton Fusion Resident Evil. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Bon, il n'y a pas de fight, hein. Enfin je crois pas. De souvenir, il n'y avait pas de fight là. Mais voilà, tu récupères des objets, tu vois, tu fous, tu récupères des objets. Et ouais, c'est un petit peu Resident Evil 2, ouais. Mais la pression en moins. Alors, un présentoir à poupée. C'est parti. Poupée de femme. Je vais placer cette poupée là. Il ne se passe rien. Je crois pas que les poupées soient réconciliées comme ça. Ça veut dire quoi d'abord, des poupées qui se réconcilient? Non, dans le gameplay, je parle. Oui, non, oui, dans le gameplay, ouais. Donc là, pareil, là, il va falloir jouer sur la probabilité. Je pense qu'en fait, il faut mettre Franny au milieu. Je vais mettre le papa ici. Parce que des poupées qui se réconcilient. Voilà. Parce que ça se donne la main, bien évidemment. C'est ouvert.
Alors voilà ce que c'est que cette histoire de poupées qui doivent se réconcilier, vous voulez dire. Je me demande ce qu'il y a dedans. Et là-dedans, nous avons... une clé. La clé de la pousse. Je me demande quelle porte elle ouvre. Mais c'est quoi ça? Un ruban que Franny aimait beaucoup. Un ruban dont les couleurs ont pâli avec le temps. Mais je peux pas le récupérer? Oh, c'est terrible. Donc on a scanné le QR code. On va écrire là tout ce qu'on a trouvé. Voilà. Let's go, let's go, let's go. On avance même très bien. 20h20. Attendez, tac. Je sais pas, j'ai le temps. Et là, on va pouvoir utiliser la clé de la pousse. C'est ouvert, yes! Ah ah ah. Not here either. Pas là non plus, mais où es-tu passé, Jessica? Non mais si Jessica, elle était là, non mais tout ce qu'on a fait jusqu'à présent... Non mais c'est complètement abusé. C'est quoi l'histoire du jeu, du personnage que tu joues, et pourquoi il y a un fantôme? Et c'est qui le fantôme? Enfin, un peu de contextualisation, s'il te plaît. Mais écoute, il n'y a pas de souci. En fait, la contextualisation, en fait, on incarne... Je vais mettre la... Merde, non, c'est pas ça que je voulais. Je vais mettre la pause. En fait, nous incarnons Ashley, la protagoniste, qui... je connais pas trop des autres, t'inquiète, il n'y a pas de souci. On incarne Ashley, la protagoniste de l'histoire, en fait, qui fête ses 14 ans. Elle a 14 ans. Et en fait, elle a été élevée par sa tante Jessica. Et elle n'a pas de souvenir de sa mère, voire quasiment pas, et elle n'a pas de souvenir de son père. Sauf que elle a reçu une lettre de son père qui l'a invité à le rejoindre, sur l'île de Blood Edward. Donc elle dit ouais d'accord et son père lui a envoyé une Nintendo Switch, c'est une Switch qui lui a développé. En fait le père c'est un neuroscientifique, enfin bref, c'est une grande pompe, et en fait il lui a envoyé cette machine qu'il a créée qu'il appelle le DAS. Et à l'époque de la DS c'était une DS, et puis là ben là comme c'est une Switch, ben là comme c'est sur Switch, c'est une Switch quoi. Et du coup, voilà, il lui a invité à le rejoindre pour lui dire toute la vérité sur l'île de Blood Edward. Donc on est arrivé en bateau sur l'île de Blood Edward avec sa tante Jessica et le navire. Bon, le mec du navire, il s'est barré. Super, il nous laisse en carafe. Et Jessica, sa tante, dit « Attends-moi là, j'arrive, il y avait une silhouette mystérieuse. » Attends-moi là, j'arrive. Et puis là, d'un coup, on entend un cri. Ah! What is it? Le mec du bateau, je suis désolé, moi j'ai des clients, je me casse. Je te laisse là, hein, à ce soir. Hein. Donc, il s'est taillé. Nous, on arrive, on fouille l'île. Du coup, on fouille l'île où il y avait plein de mines. Et impossible de mettre la main sur Jessica. Sauf qu'on tombe sur un cimetière. Et c'est là où on fait la rencontre de ce fantôme. De ce fantôme, le fameux D. Qui est ici, la petite boule, là, le petit ectoplasme. D qui lui aussi n'a aucun souvenir. Il aimerait se souvenir. Et incroyable. Et c'est la première personne qu'il arrive à voir. C'est nous, bien évidemment. Et il aimerait qu'on l'aide à retrouver la mémoire. Donc on s'est dirigé au manoir. C'est dirigé au manoir. Et devant le manoir, qu'est-ce qu'on a trouvé? Les lunettes de Jessica. Et là, aha. Donc, s'ensuit tout un enchaînement d'énigmes pour ouvrir non seulement la porte du manoir et rentrer dans le manoir en quête non seulement des souvenirs, mais des souvenirs 2D du fantôme pour savoir ce qui se passe. Et nous, on cherche notre tante. Là, actuellement, on cherche Jessica, notre tante, et qui a été enlevée. Parce que du coup, elle a été enlevée.
mais par qui, on ne sait pas, ou par quoi, on ne sait pas non plus. Et en même temps, à mesure qu'on résout les énigmes, justement, pour essayer de débloquer les portes, pour essayer de retrouver Jessica, les souvenirs de D reviennent. Et il y a aussi certains indices qui nous laissent croire que papa est ici. Il est ici. Il est dans ce manoir. Il est dans ce manoir. Et du coup, il y a certains souvenirs d'Ashley qui reviennent aussi. C'est pour ça, tout memory. À nos heures code, tout memory. Et coucou Ozix, comment ça va? Et remalubulule. Donc du coup, voilà. Voilà un petit peu, je t'ai vraiment recontextualisé la chose. Ouah, il y en a des livres sur ces étagères. Combien de temps il faudrait pour lire tout ça? Putain, bah, si tu voyais la bibliothèque de mon grand-père, tu prendrais peur. Une table élégante. Sif, sif. Je comprends. Oh toi ma vie, de l'amour de sa mamie en patin roulette. Ah bah putain. Ah bah dis donc, la mamie en patin roulette. Ouais mais si elle se pète le coskis, comment elle fait après pour le coskis? Après le coskis dans les prés. Jolie la table. Elle est même pas abîmée depuis tout ce temps. Quelqu'un a laissé un livre ouvert ici et cette personne cherchait une info. Ah. Donc là, on se doute qu'on va trouver un élément. Ouais, une plume. J'ai toujours voulu essayer d'écrire avec ça. Bah, impossible d'écrire avec l'encre asséchée et la plume est toute raide. Bah, avec l'amour guérit tout. Ouais, c'est vrai. Mon amour de ma vie de sa mère en string. Ah bah, putain. Ah bah, disons, ça m'a mis en patin roulette. Sa mère en string. Bah, disons. Comment on fait pour l'allumer? Il y a une télécommande? Ça, il faut demander à Ceci. Le fantôme, il a pensé à ta pendant des années. Le fantôme, le genre, il a pas bougé, tu sais. Mais en plus, c'est un fantôme qui ne passe pas à travers les murs. Cette table en marbre a dû coûter une blinde. Elle est plutôt froide au toucher. Il a l'air super douillé, ce sofa. Ah, ça serait bien de le tester. Mais ça a pas l'air pratique de regarder la télé d'ici. Bah, après, c'est une petite télé, quoi. Une peinture d'oiseau. It's a hummingbird. C'est un colibri. It's crooked. C'est de travers, ce genre de truc me rend dingue. Ah ouais, mais il faut le remettre. Ah, et là, il va y avoir un truc à tomber. Un peu nul le fantôme, hein, mais il est complètement nul. Hein. This is sheet music, c'est une partition, non? Why was it hidden behind a painting? Pourquoi l'avoir planqué derrière un tableau? Marron Page, c'est que je pensais à toi au chiotte, t'as même pas apprécié. Bah si, j'ai apprécié, mais j'apprécie encore plus quand tu te torches le cul, quand tu te torches le cul en pensant à moi. Ou limite encore mieux, je te donnerai ma photo comme si tu te torcheras le cul avec et là je serai au 7e ciel. Voilà. Mais je ferai de même avec ta photo, comme ça voilà, comme ça au moins on fera, voilà, au moins on sera quitte. Pourquoi l'avoir planqué derrière un tableau? Sur le tableau, c'est le même oiseau que... Ah, ouais, je croyais qu'il s'est pris un doigt dans le cul. Ça s'est pris un doigt dans le pétou. Ah! Mais arrêtez-le. Fada, va. Sais-tu que cette partition contient une énigme? Si tu la résous et que tu joues le morceau, tu découvriras le secret de ce piano. Je me souviens de quelque chose. C'est la partition que Franny joue au piano. Et tu vois cette marque qu'il a sur la poitrine, il ne sait pas ce que c'est et il ne sait pas d'où elle vient. En fait, notre héroïne sait lire comme par hasard les partitions et va jouer comme Beethoven comme par hasard. Mais c'est tout à fait ça. C'est vrai, je me demande si je saurais aussi la jouer. Tu joues du piano ? Ouais, j'en fais de temps en temps sur le piano de l'école. Comme par hasard, incroyable, hein. Tu veux bien essayer de jouer ce morceau? Je peux tenter, peut-être que ça te rappellera quelque chose. Franny m'a dit que cette partition contenait une énigme. Je me demande de quoi il s'agit.
va faire ça. On va faire ça. Voilà. Je vais le prendre en photo. Je sens bien le truc venir là. Et comment, oui, comment tu vas, Ozix? Est-ce que ça va mieux? C'est un coup de couteau la marque en fait. Il faisait partie d'une gang. Ouais, c'est ça. Ah, là, ça sent le coffre là. Portrait de fille. C'est un tableau de Franny. Il ressemble beaucoup à l'esquisse dans l'atelier d'art. Ça fait bizarre de se dire que D était ami avec elle il y a hyper longtemps. Mais ça fait encore plus bizarre de se dire que Ceci était même là avant. Parce que c'est l'anniversaire de Ceci aujourd'hui. J'espère que vous lui avez souhaité un bon anniversaire dans le chat. Hein. On n'oublie pas l'anniversaire de Ceci aujourd'hui. Et toi, à quoi tu joues? À quoi de préférence? C'est vrai, ça y est. À quoi tu joues de préférence? Quelle est ta préférence? À part les cruches. Quand t'as obtenu la partition, ça fait le bruit d'un rubis dans Zelda. Ouais, c'est vrai. Cette cruche est dégueu. La poussière a dû s'accumuler dessus pendant des années. Je me rappelle, j'avais économisé de fou. J'étais au lycée. J'étais en troisième au lycée. J'avais économisé de fou malade pour m'acheter une DS. Et Another Code, ça faisait partie. C'était le deuxième jeu que j'avais acheté sur la DS. Ah bah ça y est, on a invoqué Ceci. Mais c'est fini, oui. Bon anniversaire, Ceci. Ben bien sûr, bon anniversaire. Oh. Y'a plus rien dans cette armoire. Ben non, ça a été dévalisé. Pour l'anniversaire de Ceci, ça a été dévalisé. Y'a plein d'alcool du monde entier. Mon œil a survécu. Oh putain. Ah non, mais ça c'était terrible. Putain, je suis désolé. Jamais. Colibri scanné. N'en parle que le fantôme s'appelle D. Ouais, mais on va voir la révélation. Des bougeoirs près du lit, c'est avec ça qu'il s'éclairait. J'aurais trop la trouille d'avoir un truc qui brûle près de mon lit. Ouais, mais à l'époque, ils s'en battaient les couilles, en fait. On me sort de ma tanière, là. Il est assez poussiéreux, en fait, mais bon, c'est logique. Ouais, pète. Regarde bien le tableau, là. Il y a un truc derrière. Romazer, il ne me répond jamais. Quoi? Comment ça? Tu ne réponds pas. Ah, Aeromazer, il répond pas à Gali. Oh, c'est terrible. C'est honteux. Voilà, écrit tout là. Voilà. Du coup, il faut qu'on aille au piano. On va aller jouer la partition. Ah, moi je vous dis profitez. On va t'admirer avec ton bonnet de bain, t'es folle. Ah, t'as un bonnet de bain stylé, Ozix aussi. Des comme Daron, car en fait, c'est le Daron de Franny qui est la grand-mère de l'héroïne. Waouh, tu vas loin dans le lore, là. Tu vas très loin dans le lore, là. Ah, c'est chaud, là. Mais t'as pas répondu à Gany. Un vieux piano à queue, titre. Faut que je prépare la partition avant de commencer à jouer. Oh, mais casse-couille. La portée est bizarre ici, c'est vide, il n'y a ni note ni silence. Ah oui, c'est pas le cas ailleurs. Mais oui, mais regarde. Eh. Merde. Peut-être comme ça, non? Mais attention, Mr. Casse-couille. Je peux pas fusionner les photos? Parce que là j'ai la partition là. Il y a un truc qui cloche avec cette partition. Mais casse-couille, je l'ai la partition là.
Elle est là. Oh non, j'avais pas eu ton message. Attends, je vais regarder, mais juste la réponse. Ah, j'ai le track. Fais ton mieux. Et ça va bien se passer. Ok, c'est parti. Ah, t'es sérieux? Il manquait quelque chose dans ta version du morceau comparé à celle de Franny. Il manquait quelque chose, peut-être l'accompagnement. Et peut-être qu'il manque aussi les notes sur la portée du bas. Mais je les ai les notes Casse-couille. Yes, je fais la vaisselle, j'arrive. TMP, Nidhi ma biche. J'ai en tête en plus. Alors, Zelda Ocarina of Time, ça c'est bon choix. Bass aux oreilles que je speedrun un peu, joue à Mario Kart 7 et 8, et Xenoblade Chronicle et DBZ Kakarot. Prends la partition là, Jeannette. Hein. False Amadeus Mozart. Putain, je connais tellement pas la manette. Je connais tellement pas les touches de la manette, je suis obligé de regarder quoi. Obligé de regarder, pas faire de conneries. Bon, Jeannette, t'es casse-couille là. J'ai pris en photo parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ta partition, il manque quelque chose. Et comme de par hasard, il y a les partitions sur le tableau. Fous de ma gueule. Ah, et là, il y a une portée. On dirait une partition, qu'est-ce qu'elle fait ici? Je vais prendre en photo peut-être. Voilà. Je vais prendre en photo. Ouais. Elle va être contente, Jeannette. Incroyable. Ça sert à quoi d'acheter une collector de manettes? Mais c'est pas une question d'acheter la collector de manettes. C'est là, c'est l'emplacement des touches là. A, B, X, Y. Ils sont cons chez Nintendo. Ils inversent tout. Sur Xbox, c'est A, B, X, Y. Et Nintendo, non, ils font l'inverse. C'est des gogoles. Meuf, quand tu auras divorcé de Népen, je t'épouse cash. Oh. Quoi? Quoi? Tu vas faire mal. Tu vas blesser ton petit-fils! C'est honteux. Ah oui, j'ai oublié les meilleurs. FNAF et Céleste. Alors, je pense qu'il voulait dire FNAF, pas FNAF. Five Nights at Freddy's. Une portée vierge. Il y a un truc qui cloche avec cette partition. Mais espèce de connasse! Elle est là, la partition vide là! Ah voilà, superposé. Yeah. Ça colle parfaitement, je n'ai plus qu'à transcrire tout ça. Ah putain. Ah. All right. Je vais essayer de transcrire le morceau. Yeah. C'est bon, reste plus qu'à le jouer. Incroyable. Oh là là, c'est magnifique! Allez, je vais essayer, here we go! Allez, oula! Oh
On a bien joué du piano. J'aurais dû jouer du piano debout. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. FNAF, non, ça se joue pas en coop, ça. Il faut qu'on joue à des jeux ensemble, wesh. Je suis qu'on est deux pour le moment. Le 2, je suis Keblo à la Night 5 à cause de ce monde de Balloon Boy que j'ai rebaptisé enfant de femme de jour. Ouais, pour que tu admires mon skill, je sais. Ashley, t'as entendu? Ça a déclenché quelque chose. Viens, il faut qu'on trouve ce qui s'est passé. Son of a happy bitch. Ah, une boîte. A box fell out of the piano. En fait, c'est un jeu qui fait peur, Gali, FNAF. C'est un jeu qui est basé sur les screamers. I wonder what it is. Qu'est-ce que ça veut bien être? C'est le fameux jeu que Fifou avait expliqué. Ça faisait très longtemps, que j'avais fait une semi-diffusion où j'avais mis le PC, c'est mon vieux PC que j'avais branché à la télé et je m'étais mis sur la table basse et qu'à un moment donné j'ai eu peur comme d'habitude et en fait j'ai envoyé en l'air la table basse. La table basse elle a fait un backflip. Malheureusement, ça se joue solo, mais sur Roblox, tu peux trouver des fangames multijoueurs. Ouais, moi, sur Roblox, quoi. Le problème, ma vie, c'est qu'à part Mario Kart et Mario Wonder, j'ai que dalle. C'est. Oh là là, c'est. Franny a trouvé ça sur la plage. Je sais, False Mercier, mais moi, j'aime ça, les jeux d'horreur, soit la trompette. Ouais, j'y connais la merde. Des coquillages, ils sont jolis. Oh, right. Ouais, je me souviens maintenant. Franny les a trouvés, c'est notre trésor. Elle les a cachés ici. On va peut-être sur d'autres Mario, au moins comme Mario Kart 7 ou New Super Mario Bros. Après, il faut les avoir, quoi. C'est ça le truc. C'est quoi cette carte? On dirait une carte de jeu vidéo. C'est aussi à Franny? Non, j'ai jamais vu ça de ma vie. Une petite carte qu'on peut insérer dans la Switch. Incroyable. C'est quoi ce bruit? It's the DAS. C'est le DAS. Mais qu'est-ce qui se passe? Did it read the card? Il a lu la carte. Clé de l'anoseur reconnue. Mais j'aimerais en tester des milliers, tu sais, mais j'ai juste pas la thune pour ça en ce moment, c'est ça. Sur 3DS, t'as à l'époque. Ah bah, c'était sur 3DS. Clé de l'Anoseur 2. J'ai jamais vu cet écran, c'est un plan du manoir. Des chambres brillent. C'est quoi la clé de l'Anoseur? Alors là. Une clé de l'Anoseur. Et heureux, ceci. Qu'est-ce que c'est? What the? Who are you? Mais qu'est-ce que? Mais qui êtes-vous? I've been waiting for you. Je t'attendais. Oh, c'est papa! C'est papa? Papa, c'est toi? Retrouvailles avec papa! C'est papa! Il va continuer. Et bon anniversaire, petit. Ashley. I'm your father. C'est moi, Richard, ton père. Quoi? Des occasions, c'est 50 euros, donc un peu cher en effet, mais c'est un bon investissement. Après, j'en ai une à la maison, si tu veux. Je peux te la prêter. Je peux te la passer, y'a pas de soucis. C'est lui, mon père. OMG, c'est Onheim, dans FMA. Ashley? Oui? Comme tu as grandi.
Je guettais ton arrivée. Je sais pas quoi dire. Depuis tout ce temps, j'avais tellement de choses à lui dire. J'arrive même plus à réfléchir. J'ai le cœur qui s'emballe. La dernière fois que j'ai vu mes fils sont défoncés dans moi. Ah merde, ouais, terrible. Aïe aïe aïe. J'ai une boule dans la gorge, j'arrive plus à parler. Investissement zéro. Après, je peux t'en passer une. Je peux t'en passer. Hein. Que tu sois devant moi, l'émotion me submerge. Dad. Papa. Ashley. Je ne sais pas quoi faire. This is so weird. C'est vraiment bizarre. Non, pas les cheveux blancs, la fille. When he hugs me, I... Cache-la. la 3DS. Quand il me prend dans ses bras, il sent la cigarette. Man, cet homme. He's my dad. Et mon père. Vous vendez des fils comme je prends cette 3DS avec. Je viens de faire rencontrer mon père. Mais il voit pas des... Il voit pas le fantôme. Dad. Papa ? Où est Jessica ? Il ne se rend plus d'être la pute. Well, eh bien, I haven't seen her. Je ne l'ai pas vue. How is that possible? Mais comment c'est possible ? Did Jessica let you... Jessica t'a laissé partir toute seule ? No. Non, elle m'a dit de ne pas bouger. J'ai garde pour les organes, ça rapporte plus. Oh la vache ! Oh putain ! Allez, ça sera répété, amplifié. I was being a brat, so she probably wanted to get away from me. Je screen, j'aurai le moyen de te faire chanter. Je faisais la tête, alors elle a sûrement voulu s'échapper un moment. J'ai essayé de la suivre, mais j'ai pas pu la rattraper. Après, quand je suis arrivé près du manoir, je l'ai entendu crier. Ashley, il fume 4 paquets par jour, c'est mon père. J'ai trouvé ses lunettes par terre, près du portail. Quoi ? Le bâtard. Je n'ai rien entendu. Pourquoi t'es pas venu nous chercher au port ? Eh bien, j'étais... Je travaillais sur une expérience qui a pris plus de temps que prévu. Je suis désolé, Ashley. Peu. Ok. Vous pouvez pas juste arrêter en plein milieu, c'est ça ? Je m'inquiète vraiment pour Jessica. Si toi non plus tu l'as pas vue, il faut qu'on aille la chercher. Mais comme il n'a pas le cœur pur, il ne voit pas des... Bien sûr, je vais t'aider à retrouver Jessica. Au fait, as-tu apporté le DAS ? Tu sais, la Nintendo Switch. Ouais, je l'ai juste ici. Regarde, j'ai installé Palworld. Parfait. Je suis content que tu l'aies avec toi, Ashley. Pourquoi tu me l'as envoyé ? Je t'expliquerai tout ça plus tard. Pour l'instant, garde-la avec toi. Ok. Ça sent la merguez. What ? J'ai pas compris. Quoi ? On a loupé un dialogue. L'écran est... Le système est allumé. Ok. Deux dans l'aile occidentale et une dans l'aile orientale. Non, c'est bizarre. L'une d'elles a déjà été déverrouillée. Déverrouillé. Non, son cœur est pas pur, il est rempli de tabac. Oui, c'est vrai. Tu parles de ça ? Oh, Ashley. Oh, je t'ai bien joué. Merci de me l'apporter. Où tu l'as trouvé ? Bah, elle était dans le piano. Dans le piano, vraiment ? C'est ta première merguez partie. Qu'est-ce que ça faisait dans le piano ? La blague sur Palworld m'a tué. C'est une clé. Elle déverrouille un appareil très important appelé la Nozer. Mais Bill me l'a volé. Bill ? Ouais, c'est Bill Boo. C'est Bill. Bill Boo. Bill Boom. Bill ? Mais qui est Bill ? C'est un homme qui m'a épaulé pendant mes recherches. C'était mon assistant. Oh.
Pardon. Un homme brillant, mais il m'a trahi. Le bâillement, là, il est sorti tout seul. Il a tenté de voler les recherches que nous avons accomplies sur cette île. Ashley, la doseur a été pour ta mère et moi le travail de toute une vie. Et Bill a voulu le voler pour se l'approprier. Oh, le salaud! Mais c'est horrible. J'ai réussi à en empêcher, mais il avait déjà caché les clés. Il faut des clés pour la noseur? Oui. Il y a 3 clés au total. Les 2 qui restent sont sûrement encore quelque part dans le manoir. Je vois. Qu'est-ce que ça faisait dans le piano? C'est un jeu d'énigmes, t'inquiète. C'est ça. Ouais, t'as acheté ce mobile. Ouais, bah, ça se voit sur ma gueule. Je pense que là, je commence à avoir le... Tout le poids qui commence à appuyer là sur les épaules. Là, tout à l'heure, j'ai senti passer au travail. J'étais à 2 doigts de me casser la gueule. Je vois. La noseur. C'est quoi la noseur? Qu'est-ce que tu fais là tout seul sur cette île? T'as dit à Jessica de me faire croire que t'étais mort. Pourquoi? Explique-moi. Je veux tout savoir. Et rien payer. Ah. La noseur était le fruit du projet de recherche que je poursuivais avec ta mère. Une fois terminé, nous aurions pu guérir beaucoup de gens. Ça peut guérir des gens. Nous avons bon espoir en tout cas. Mais nous savons que certaines personnes essaieraient de nous le voler. C'est pourquoi j'ai continué mon travail ici, où personne ne pourrait me trouver. Je croyais pouvoir faire confiance à Bill, mais j'ai eu tort de toute évidence. Oh. Salaud. Je crois que Bill détient peut-être Jessica. Quoi? Elle est en danger. On doit vite la retrouver. Bah, ça mérite le plat de moutmout, un bon plat de pâte au kiri devant YouTube. Ah, mais. Oh, mais tellement. Ah, mais en vrai, tellement. Ah, ouais. Mais tellement. Mais tellement dans le canapé, là, ou dans le plumard, là. C'était pas si simple. Je dois récupérer les clés de la noseur pour les protéger. Papa, il faut qu'on. Qu'est-ce qu'on peut faire? Séparons-nous. Toi, tu as cherché Jessica et moi les clés de la noseur. Ashley, je ne peux pas te laisser faire ça. Ça ira, je peux les trouver en utilisant le DAS. J'ai déjà réussi à résoudre des tas d'énigmes dans le manoir. C'est pas quelques clés qui vont me poser problème, même si Bill les a cachées. C'est toi mon plaid, c'est mignon. D'accord, c'est sûr. Je te laisse te charger les clés. Et oui, les écrans ne rendent pas débile, ça m'est inventé par les mamans en colère et ça fait guérir. Donc achetez des Switch aux enfants qui ont le cancer. Exactement. Hey, dis papa. Yes. Oui. Quand on aura trouvé toutes les clés d'un oseur et que Jessica sera avec nous, on rentrera tous ensemble à la maison, n'est-ce pas? Of course. Ah bah bien sûr. Alors retrouve-moi ces clés au plus vite, d'accord? Ouais. Bon, t'auras sûrement besoin de ça. Ah, encore une clé! Putain, on est dans Fort Boyard, y'a que des clés. Allez, passe partout. La clé W. Je devrais commencer par où? Le DAS indique quelque chose à l'étage de l'aile occidentale. Tu devrais pouvoir y accéder avec cette clé. Merci, papa. Mais fais bien attention, il fait sombre là-bas. Je suis sûr que je retrouverai vite Jessica. On se rejoint ensuite dans l'entrée. Deal. Entendu. Et évidemment, il ne nous rejoindra jamais. Okay. Bon, I'm alors, off. J'y vais. Good luck. Bonne chance. Le mec, super bien fringué. Hein. Le mec, il se planque. Hein. Oh, oh, il fait un AVC. Ton papa, il fait un AVC. Ashley? Huh? What? Hein? Quoi? I'm glad you finally got to meet your father. Content que tu aies enfin rencontré ton père. Yeah. Ouais. Tu as l'air contrarié. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je suis contente. Mais je sais pas, j'ai un drôle de sentiment. On rentrera à la maison ensemble.
Non. Ta mère n'aimait pas que je fume quand t'étais enceinte de toi. Tu as besoin d'un peu de temps pour te faire à la situation. Ouais, c'est sûrement ça. Papa t'a pas vu. C'est parce qu'il ne croit, que ce qu'il voit. Comme tous les adultes. J'ai l'habitude de ne pas être vu. Alors, tu vas aider ton père ? Bah évidemment. Je veux l'aider si je peux. Alors ouais, je vais trouver les clés de la noseur pour lui. Je vois. Tu veux bien m'aider, Dé ? Avec plaisir. Ouais, comme ça tu retrouveras ta mémoire toi aussi. Je dois chercher l'emplacement de la clé de la noseur dans le DAS. Tu peux maintenant voir l'emplacement des clés de la noseur dans le DAS. Utilise cette fonction pour trouver toutes les clés de la noseur. Vas-y, marque tout là. Donc là, le DAS. Clé de la noseur. Voilà, il faut que je monte au premier étage. Peut-être que je peux utiliser la clé qui m'a indiqué. Le DAS m'a indiqué qu'il y a une clé de la noseur se trouvait là derrière. La clé W. C'est ouvert. Let's go. Je vais chercher les clés pendant que je reste en petite pause dans le salon. Tu reviens à les objets de ta quête et déclenche un événement qui force spawn Exodia. On n'y voit rien ici et ça sent l'humidité en plus. Cet endroit est abandonné depuis très longtemps. Est-ce qu'une clé de la noseur est vraiment cachée ici? Vérifions encore une fois sur le DAS. Ce genre meuf, quand tu reviens à la maison, t'es pas prête, je te laisse plus jamais partir. Ça m'indique une salle un peu plus loin. Il y a peut-être quelque chose derrière l'étagère. Mais il fait trop sombre, je peux pas fouiller là-dedans sans lumière. Je vais y jeter un œil. Ah, D. Par ici, Ashley. Oh, déjà ? Oh, c'est un labyrinthe. T'as pas dit que j'ai un peu peur du noir ? Oh, une énigme. Bah déjà, on peut pas ouvrir là. C'est beaucoup plus simple là. Bah, il y a des objets. Les objets sont éparpillés par terre. Il fait trop sombre, je ne vois rien. Oui, bah oui. Là, tu peux pas arracher les planches là avec tes gros doigts musclés. Là, j'ai un briquet, un chandelier. Oui, mais j'ai un briquet cruchasse. Bonne chance, soldat. Tu as passé un seul quart d'heure. Ouf, enfin un peu de lumière. Est-ce que je. Non, je m'en fous de ça. Est-ce que j'ai la possibilité. Ah, voilà, maintenant, oui, je peux voir. Une pile de livres. Des bougies! Super, des bougies! Incroyable! Ça paraissait tellement logique. Je peux pas courir, non? Alors là, on voit qu'il y a un trou. Oh, un chandelier! Bah tiens! Incroyable! Un chandelier, peut-être pour mettre une bougie. Et cette bougie, il va falloir l'allumer. Alors, c'est pas toi, mais si ça le quart d'heure, c'est de la bonne bouffe à gogo, du chill non-stop et des câlins pleins de mout-mout, je signe tous les jours. Ah, mais c'est clair. Ah, mais je signe aussi. Une bibliothèque. Ah non, mais je signe cash aussi. C'est où qu'on signe? Il y a des symboles de trèfle et de cœur sur les livres de la bibliothèque, c'est joli.
Non, mais il y a quelque chose à faire. Hmm. Statue colibri argenté, des décorations en forme d'oiseau. Pourquoi est-ce que cette étagère est la seule à être décorée comme ça? Non mais meuf, il y a une énigme. Non mais meuf, il y a une énigme. Allô? Ah mais t'es chiante Ashley, il y a une énigme. Allez, let's go. All right. Ça devrait m'aider à y voir plus clair. Là, on ne peut pas passer. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a un passage. Haha. Peut-être qu'il veut que. Peut-être que le jeu veut que je prenne l'appareil photo. Que je prenne la photo. Il va y avoir quelque chose à faire. Alors, on voit que je ne peux pas passer. Oui, je vais prendre la bougie. Du coup, la bougie va pouvoir me servir ailleurs. Donc là, cette bougie me sert. On n'est pas passé par là. Un chandelier. Ah oui, bah, utilise la bougie. Mon dieu. C'est un moment du souffle de Jack Torrance. Et Johnny pour casser les planches, c'est vrai. Le parquet s'est effondré. Non. Ah, quel trou. Ah, ce manoir. Papa a vraiment vécu ici tout ce temps. Bon, où est-ce que D a bien pu aller? D qui ne passe pas à travers les murs, mais qui passe à travers les bibliothèques. C'est fou. Oh. Oh, c'est. This... I've enjoyed reading books here ever since I was young. Depuis tout petit, j'aimais venir lire ici. I wanted to be a novelist. Je voulais devenir écrivain. Come on, Dee, where bon, are Dee, t'es passé où? Voyons voir so comment franchir ce trou. Other... Huh? Hein? L'étagère n'est pas droite, pas très stable non plus. Je peux peut-être la faire tomber. Allez, let's go. Ah! C'est trop casse-couille de coder une cinématique. C'était dangereux. Ashley? Are you okay? Ashley, tout va bien? Yeah. Ouais, ouais, ça va. Je vais mourir, mais ça va. La voix de D vient d'encore plus loin. Je peux utiliser l'étagère pour traverser maintenant. Bah, bah voilà, let's go. Mais c'est quand même pas très stable. J'ai la frousse. Bah, fais-le. Allez. Courage. Oula, oula. Génial, le voilà. D. Oh, Ashley. Trop contente de t'avoir enfin retrouvé. Bon, je me suis trop fatigué en tout cas. Trop sympa ce live avec vous. Bonne soirée à tous. Ça marche. Merci d'être passé. Romainzer, des bisous. Repose-toi bien, de toute façon on va pas tarder à arrêter le live. Je pense avoir la dalle.
Il m'a emmené derrière les étagères. Les pièces, la pièce continue derrière les étagères. C'est là que se trouve la clé de la noseur, j'en suis sûr. Il fait trop sombre, s'il y a de quoi que ce soit d'utile sur cette bibliothèque, je ne le verrai pas. Donc, ok, dac. Oh putain, ok. Ok, donc j'avais enlevé la bougie pour rien en fait. Donc, je vais enlever cette bougie qui sert à rien. Voilà, on va faire cette énigme là. Et on s'arrêtera pour aujourd'hui. Du coup, là, voilà. Oh. Et le chandelier, incroyable, hein, le chandelier. What is it? All right. Ça devrait m'aider à y voir plus clair, voilà, comme ça. On se dirige. Du coup, cette bougie là. Je vais pouvoir l'enlever. Parce qu'elle me sert plus à rien là. Cette bougie ne me sert plus à rien. Puisque j'ai pris la photo. On est d'accord. J'ai pris la photo. Parce que là, il va y avoir une énigme en rapport avec ça. Évidemment, incroyable. Il y a des trèfles, des cœurs, etc., etc., comme sur la photo qu'on a prise. Incroyable. Incroyable, voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je commence à voir la dalle. Comme ça, on se garde un petit peu des énigmes pour la semaine prochaine. Et pas mal du tout, hein, pas mal du tout ce petit jeu. Alors sur DS, j'ai pas souvenir que ça y était. Hein. J'ai pas du tout le souvenir que cette énigme y était, hein, ce genre de truc. Donc il y a quand même des nouvelles, il y a quand même des nouvelles énigmes et ça c'est cool. Incroyable mec, t'as vu ça un petit peu comme c'est incroyable. C'est incroyable, on devient un génie. On devient un génie génisieux. Ouais, j'invente des mots. J'invente des mots. Vers qui je peux vous envoyer ce soir? Ouais, on peut aller voir Dante qui fait du rétro. Et y a pas Doc ou Didou qui fait karaoké? C'est pas soirée karaoké chez Doc et Didou? Ah si, c'est soirée karaoké, je me disais, mais c'est karaoké chez Doc et Didou. Allez, on va aller raid Didou qui fait du karaoké avec Doc. Voilà. Je te repose en position de ce week-end, ma Lulu. Ouais, je vais me reposer. Je vais me reposer, c'est pour ça que je vais vous envoyer chez Didou. C'est le karaoké de Didou. Voilà, je vais vous envoyer chez Didou pour son karaoké avec Doc. Et moi, je vais me reposer. Je vais me reposer. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien de se reposer tranquille et bilé. Et ce week-end, du coup, pas de live pour être un petit peu tranquille. Allez, let's go chez Doc et Didou. C'était Foils. Des gros bisous. Bon week-end à lundi. Si vous êtes sages, des bisous. Ciao, ciao.